L'autre verset ingine shahiri qui me tique toujours le cœur, ambaye nayo nivutia sana moyo. J'ai compris que nous tous nous prions. Nilielewa kwamba sote tunaombaka. Mais il y a des moments où Dieu prend la prière de quelqu'un, il la lui jette. Lakini kuna mara ambao Mungu anaweza kuchukua maombi ya mtu anamtupia nayo katika sura yake. Jette la prière. Ana kutupia maombi yako. Et vous dites, j'ai prié. Kwa naomba, il a jeté ça. Na akatupa maombi yangu. Psaume 66:18. Zaburi 66:18. Tu vas m'interpréter directement ici. Vous écrivez, ne cherchez pas. Vous Nini allez chercher, je vais finir pendant que vous cherchez. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Kama ilinifikia kuweka ubaya katika moyo wangu. Panga maovu. Kupanga maovu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Kama ilinifikia kupanga maovu katika moyo wangu. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bwana hangeweza kunijibu. Exaucé. Nijibu. Mais lakini Dieu m'a exaucé. Mungu alinijibu. Il a été attentif à la voix de ma prière. Alikuwa msikilivu kwa maombi yangu. Béni soit Dieu. Mungu abarikiwe. Qui n'a pas rejeté ma prière. Yeye ambaye hakutupilia maombi yangu. Et qui n'a pas retiré sa bonté. Na ambaye hakuniondolea wema wake. Ningekuwa niko mtu mwenye ninaindaka, niko ninaishi, niko napanga panga maovu muroho yangu, kama Mungu hakunisikia, na kama Mungu hanisikia yake, na kama na maombi yangu aliyatupa. Si j'étais cet homme donc qui planifie l'iniquité dans son cœur à tout moment, Dieu ne pouvait pas m'entendre, Dieu ne pouvait pas exaucer mes prières. Ningekuwa mtu. Si j'étais de cet homme. Mwenye niko mtu mwenye manaonaka inje. Ça veut dire cet homme là qu'on voit à l'extérieur. Mule murone ndaka niko na panga panga vitu biovu. Mais là à l'intérieur il est en train de planifier l'iniquité. Muko wapi kanisa? Où êtes-vous l'église? Mutafute Mungu. Cherchez Dieu. Tafute Mungu. Cherchez Dieu. Tabasome citation moya. Je vais vous lire une citation. Prenons nasema hivi. Prenons dit ceci. Mutafute Mungu. Cherchez Dieu. Wakati ni wakati ya kumutafuta. Quand il est encore temps de le chercher. Musikwe munaanza mutafuta na vitu binisha haribika kisha nasema unanitafuta ju problème. Kaulishaka nitafuta na wakati ya mani iko wewe. Faut pas le chercher quand la situation devient très compliquée parce qu'il peut vous dire vous ne m'avez jamais cherché quand la situation est bonne. Umutafute tuale chercher wakati yenye inafaa au moment agréable kwamba sikuwe nasema pour qu'il ne puisse pas dire mbona hakuwa unanitafuta mais tu ne me cherchais pas wakati wa kumutafuta wakati yenye situation iko bien le moment pour le chercher c'est au bon moment quand la situation est bonne comme ça siku vitu haliko mzuri parce que quand le jour les choses seront compliquées na ukimtafuta et quand tu le chercheras na Mungu anasema il dira oui oui tulikuwa na yeye jana avant même problème oui oui nous étions avec lui quand les problèmes avaient surgi même na kuba na damu binalumaka et même chez l'homme ça fait mal mtu anabakia 6 mois quelqu'un fait 6 mois hakuite il ne t'appelle pas hakusemeshe il ne te parle pas. Si quoi na kuita, le jour qui t'appelle, ni kukuambia problème. C'est pour juste t'expliquer son problème. C'est tout quoi batu. Mais nous sommes des humains. 6 mois. Bien ici. Une année. Moi comment? Silence. Kimia. Mais ça na kuita, mais quand il t'appelle, ni kukuambia seme, c'est pour te dire. Nilitaka kuelezea kama biko hivi. Je voulais te dire que je suis ceci. Donc wewe umeona kama siku ya shida njoo uniite. Donc toi tu trouves que le jour de problème c'est seulement mais wakati wa amani haunisemesha. Mais quand tu es en paix tu ne me parles pas. Nani batu. Et pourtant ce sont des humains. Vous avez kuomba Mungu. Habituez-vous de prier Dieu. Mumuzijobeleshe même wakati ya maniko. Habituez-vous à le faire même quand il y a la paix. Wakati ulishiba omba. Quand tu t'es rassasié prie. Wakati ulifanikiwa mumkazi omba. Quand tu as été béni dans le travail prie. Wakati santé iko bien omba. Quand la santé est bonne prie. Wakati ulichuruza ukaprofiter omba. Quand tu as commercé tu as bénéficié prie. Wakati unasikia hakuna magonjwa mumwili omba. Quand tu sens qu'il n'y a pas de maladie dans ton corps prie. Wakati ulisinzia bien omba asubuhi. Quand tu as bien dormi prie le matin. Si kubitaharibika. Le jour que la situation va se détériorer. Ukimwomba. Quand tu le prieras. Atasema tunazoea ongea naye. Il dira nous sommes habitués à parler. Haiko hivi njoo binamuleta. C'est pas moi qui l'ai amené. Tuliongea naye. Nous avons parlé avec lui. Mais uko nafunga saa ulihomba mkazi. Mais toi tu jeûnes le jour que tu as. Mais wakati ulikuwa unazihesabia. Mais le jour que tu étais en train de compter l'argent. Tu n'as pas prié.
Tout simplement parce que le médecin a fait des vérifications et il t'a dit que ces maladies pour guérir. Et c'est là que tu prends maintenant les jeunes, les prières. Et maintenant, quand tu n'avais pas encore su que tu étais malade, pendant ce temps-là que tu étais en bonne santé, est-ce que tu avais prié Dieu?